salut les gens, c'est Ellipse. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo 2000 abonnés. Donc ça y est, vous êtes 2000, merci les gens, ça fait super plaisir. Donc à la suite de cette petite intro, vous aurez également le commentaire numéro 4. Alors, on va devoir parler business. Tout simplement, je comptais pas faire ça comme vidéo 2000 abonnés. Moi je comptais faire un truc beaucoup plus énorme, un truc beaucoup plus gros. Mais malheureusement, par souci de temps, j'ai pas pu la réaliser parce que tout simplement j'ai eu des cours, ce qui me donne beaucoup moins de temps à moi, beaucoup moins de temps pour faire une vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, ça va changer. Je vais bientôt commencer à mettre un planning en place. Hein, je me suis mis un calendrier exprès, voilà, exprès pour. Donc voilà, tout simplement, je vais d'ores et déjà commencer à faire la vidéo 3000 abonnés parce que 3000 abonnés, j'ai vraiment prévu un truc de ouf. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas. On est au 2000. Aujourd'hui, on fête les 2000. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vraiment, les gens, je vous remercie sincèrement du fond du cœur. C'est grâce à vous qu'on évolue. De jour en jour, on s'agrandit. La famille s'agrandit. Donc, voilà, les gens. Je tenais juste à vous remercier. Et maintenant, je vais vous laisser tout de suite avec le commentaire trickshot numéro 4. Bonne vidéo. Ok, c'est parti pour le commentaire trickshot numéro 4, les gens. Donc, j'espère que cet épisode, donc ce petit tuto va vous plaire. Donc, au niveau du commentaire shot numéro 1, du commentaire shot numéro 2 et du commentaire shot numéro 3, ça s'est très bien passé. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas encore faire un 4 parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai oublié. Donc, voilà, le 4ème le voici. J'ai un peu du mal parce que là, je suis avec ma manette habituelle. De toute façon, quand j'y pense, c'est juste pour me rappeler au montage. Il faut que je me rappelle de faire une vidéo, une petite intro pour les 2000 abonnés. Parce que cette vidéo-là va faire entre guillemets partie de la vidéo de 2000 abonnés. Mais bon, ça, j'expliquerai tout ça juste avant. Vous l'aurez déjà vu de toute façon, donc ta gueule. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode? Tout simplement, aujourd'hui, on va voir 2-3 petits spots. 2-3 petits spots que j'avais oublié dans les commentaires shot numéro 3, ouais c'est ça. Donc des spots un petit peu cassés dans cette map, j'en ai oublié quelques-uns que je vais vous montrer normalement notamment sur moi l'arme 3 pardon. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va prendre? On va aussi apprendre les Kenswap qui faisaient partie de la base mais que je sais pas pourquoi j'ai pas du tout pensé à l'aborder. Et pour finir on va parler des Naxop. Alors Naxop pour moi je le considère déjà plus au niveau complexe à faire. Même si c'est relativement simple mais bon tout ça on verra après. Alors on va commencer tout simplement par les Kenswap. Alors les Kenswap qu'est-ce que c'est? Simplement je vais vous montrer, hop. Alors le Kenswap tout simplement quand ton arme, comment dire, c'est quand tu sors ton arme de cette façon là, hop, voilà, ça fait une petite interaction avec ton arme. Par exemple là, je sors ma MSMC, il n'y a rien qui se passe. Tandis que là, si je sors ma MSMC, hop, il y a une petite animation qui se fait. Ce qui fait que ça donne tout simplement super stylé sur certaines keycams. Si tu fais un beau truc, si tu veux pas te faire un truc compliqué, juste faire ça, ça peut déjà donner magnifique sur une keycam, c'est tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, par contre je sais pas pourquoi j'ai mis deux bottes, j'aurais jamais dû faire ça, parce que je vais me faire violer, voilà. Bon alors maintenant on va apprendre comment les faire tout simplement, maintenant que vous savez ce que c'est. Même si je pense que la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est. Maintenant on va apprendre comment les faire. Alors c'est très simple. Donc dès que vous voyez une arme par terre, donc une arme différente de la vôtre, donc par exemple là j'ai un Remington et un DSR. Là, qu'est-ce qu'on a par terre? On a une petite MSMC. Tout ce qu'il suffit de faire, donc c'est, vous avez deux choix. Donc ça va être, je me bouge en même temps parce qu'il y a le bot. Hein. Donc ça va être soit cuter, ramasser l'arme et changer d'arme. Donc c'est-à-dire, en gros si vous êtes sur Xbox et vous jouez en tactique, ça donne BXY. Attendez, c'est bien ça, ouais. BXY. Et si vous êtes sur PS3 et que vous jouez en tactique, ça va être rond, carré et triangle. Voilà, tout simplement. Donc, c'est tout simple ce qu'il y a à faire. Donc, ça, c'est la méthode un peu longue. Hein. Ça, c'est si vous voulez. Seulement si vous voulez le faire en vitesse. Si vous avez genre pas trop le temps, genre vous passez en vitesse sur la map, hop, allez vite, je le prends sur le chemin, voilà. Mais il y a une autre méthode aussi. Ça consiste tout simplement à ramasser l'arme. Et ça sera la méthode la plus simple pour tout le monde, je pense. Donc c'est de ramasser l'arme et de faire un double Y ou un double triangle. Donc ça va donner quelque chose comme ça quand j'aurai le temps de le faire, putain de botte. Allez, bon, on va éviter de s'y retourner. Bon, pour... comment dire, pour tout ce qui est Naxop après, je vais enlever les bottes, hein, parce que c'est un peu le bordel, hein, je remarque mine de rien, putain. Bon alors, on va vite aller voir ça. Alors, on va vite le péter lui. Hop, non, oui. Bon alors, c'est simple, donc... Vous appuyez sur X et puis double Y ou carré et double triangle, ça donne ça. Voilà, ça fait un genre de double Y sur votre snipe. Hop, merde, évidemment j'arrive pas à le faire. Hop, voilà. Et tout simplement, vous avez juste ensuite à sortir, hop, et votre ketchup est effectué. Donc ça va donner super stylé. Donc je vous invite vraiment à en faire vivement des ketchup parce que dans les kickcams, on n'en voit pas assez souvent malheureusement. Et tout simplement, les ketchup, c'est quelque chose pour moi de vraiment basique qui doit...
qui doit être revu dans pas mal de trickshots. Je veux dire, la plupart des trickshots maintenant, il n'y a plus de Kinswap, ça n'existe plus, c'est quelque chose de, qui n'est plus existant. Donc voilà. Écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire au niveau des Kinswap. Donc du coup, les gens, on se retrouve tout de suite pour les Naxwap. Voilà, à tout de suite. Ok, donc c'est parti les gens, donc maintenant on passe à l'étape Naxwap, donc l'avant-dernier, comment dire, bah l'avant-dernier tout simplement tuto de ce tuto, ouais ça donne un petit peu bizarre comme phrase, mais bon, on va dire que ça passera comme ça. Alors un Naxwap, qu'est-ce que c'est tout simplement? Donc, allez, comment dire, admettons, vous voulez juste changer d'arme, donc vous tirez avec le pompe et vous changez d'arme, ça donne ça, ok? Ça donne ça, ça donne un truc un petit peu moche, ou alors juste si vous changez d'arme, ça fait ça. Donc ça donne juste moche quand vous avez un pompe. Alors, tout simplement, le Naxwap, qu'est-ce que ça va être? Ça va faire que vous allez changer d'arme de façon super stylée. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. Voilà. Tout simplement, le snipe arrive par derrière, ce qui donne un effet super joli, qui rentre simplement super bien dans vos cams. Donc voilà. Alors, comment faire un Naxwap? Alors, tout simplement, tout ce qu'il suffit de faire, donc c'est, si vous êtes sur Xbox, vous faites... alors, attendez, il faut que je me rappelle en même temps que je le fais. Donc, en même temps que vous tirez, donc vous tirez avec le pompe, ok? Donc, vous tirez avec le pompe, et en même temps, vous appuyez sur Y et vous allez sur X directement. Ça va donner ça. Donc, on tire Y, X. Bon, là, en même temps, tu vas recharger, donc voilà, tu vois... Non, allez, sérieusement, donc voilà, on tire Y, X. C'est juste ça qu'il faut apprendre. Donc, je vous conseille de vous entraîner pas mal de fois, genre une dizaine, quinzaine de fois en privé, avant de pouvoir dire que vous le maîtrisez. Hop, tirer YX. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est tout simplement qu'il faut tirer et appuyer sur Y et ensuite directement décaler sur X. Parce que de toute façon, si vous tirez et que vous appuyez sur Y, ça va donner ça. Si vous n'avez pas sur X assez vite, ça va donner un truc du genre... bah non, là j'ai appuyé trop vite. Voilà, un truc comme ça. Donc ça va juste rendre ignoble. Donc tout simplement, vous entraînez YRTX, voilà. Donc par contre, si vous êtes sur PS3, c'est exactement pareil. Sauf que vous devez tout simplement tirer, appuyer sur triangle en même temps, et puis passer sur carré super vite. Donc ça va vous donner vraiment le Naxwap, quelque chose de super stylé et de super simple. Il faut juste le maîtriser, mais c'est honnêtement, on va pas se cacher, c'est pas ce qu'il y a de... C'est pas ce qu'il y a de plus dur, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait... Oh là là là, je fais de la merde. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire au niveau du Naxwap. Alors maintenant, du coup, on va se retrouver directement sur Modern Warfare 3 pour des spots sur deux maps que j'avais totalement oublié. Donc voilà les gens, du coup, on se retrouve tout de suite. Ok, donc on se retrouve sur Modern Warfare 3. Donc on est sur la map Baccarat. Alors attendez, je vérifie juste ma sonci un truc. Ouais, non, bref. De toute façon, on s'en fout. Donc on est sur la map Baccarat, donc Baccarat avec le grand hélicoptère au milieu, et on va justement se servir de lui, cet hélico là. Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent aujourd'hui l'existence de ce spot, mais tout simplement tu peux monter au dessus de l'hélico, elles sont n'importe quelle hélice, même celle là voilà, tout simplement. Donc comment est-ce qu'on fait? Ça va être super simple. Il y a plusieurs méthodes. Alors la méthode la plus simple, c'est celle-ci. Donc vous mettez à peu près ici par rapport à l'hélice ici. Vous courez et hop, vous sautez. Ensuite, maintenant, ça va être l'étape la plus chaude. Vous vous collez ici et... Ah, j'ai raté. Hop, et voilà, vous avez juste à faire un petit jump de la mort qui tue comme ça. Et ça y est, hop, maintenant, vous avez accès à l'endroit que vous voulez d'hélico. Et ça fait quand même beaucoup, beaucoup de hauteur. Ça y a... Y a rien à dire, surtout que tu peux te déplacer librement sur l'hélico. T'as de quoi te balader. Enfin, on a de quoi être un six-man entier sur l'hélico, voilà. Alors, en même temps, depuis l'hélico, tu peux très bien sauter au top ici. Voilà. Et à l'inverse, tu peux grimper sur le petit muret et, évidemment j'ai raté, mais tu peux directement grimper sur l'hélico depuis là. Et si je dis pas de conneries, aussi depuis ici. Ouais, sauf que là, bon, c'est un peu la galère quoi, tu dois vraiment aimer te balader. Ouais, faut vraiment kiffer se balader quoi. Hein. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Baccarat. Donc du coup, on va switcher, on va passer à d'autres maps. Ok, donc ce coup-ci on se retrouve sur Don't Turn, une map toujours sur Modern 3 mais qui n'est pas vraiment jouée, hein, même si c'est une map super pour le trickshot. Bon, graphisme, au niveau des graphismes, et, ouais, au niveau graphique tout simplement, elle est juste moche, hein, ça y a pas à dire, elle est ignoble. Mais bon, c'est pas ça l'important, c'est le spot. Alors, tout simplement, vous montez ici, vous montez directement sur le camion, hop, on grimpe, ensuite on se place bien par rapport au mur, on court, on saute et on gratte. Ouais. Non, allez, on va recommencer. Ce coup-ci, on va y arriver. Allez, courage. Hop. Et toujours pas. Putain, mais what the fuck, je n'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe, Elite? Réveille-toi. Réveille-toi. Non, non, je n'y arrive plus. Bon, mais voilà, c'est la fin de ce tuto. Hein. A plus. Non, mais sérieusement, what? Mais pourquoi j'y arrive plus maintenant? Allez, courage. Voilà.
Et voilà, on y est. Alors simplement, le spot là, donc c'est vraiment un spot sympa parce que simplement si on passe en dessous, on ne te regardera pas. S'ils passent par là, ils vont pas regarder en haut. Donc ça fait que si t'es au snipe, tu peux tout simplement viser par là. Souvent les ennemis qui passent dans cette zone ici, juste là. Donc tu peux très bien viser. Alors ce spot, tu peux te déplacer librement. Par contre, il faut faire très très attention parce que sinon tu tombes. Alors hop, tu peux encore aller jusque là. Tu peux encore aller même là. Et ici, tu pourras pas aller plus loin. Alors, en tout cas, moi, j'ai jamais réussi à aller plus loin que ça. Alors après, peut-être que c'est... Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ouais. Donc voilà, la limite c'est juste ici. Donc vous pouvez aller jusque là. Donc c'est vraiment sympa comme spot. Donc si vous voulez sauter là-dessus, je vous le conseille fortement. C'est un très très bon spot. Alors ensuite, il y en a un autre sur cette map. Donc c'est juste ici. Alors ça après, c'est pas... Il est pas non plus totalement inconnu, mais bon. Tu verras jamais beaucoup de monde dessus. Alors attendez, faut juste que... J'y arrive, alors attendez. Faut que je me rappelle, faut juste que mon cerveau se rappelle comment est-ce qu'on fait pour y aller. Réfléchis, c'est pas la voiture. Je ne me souviens plus. J'ai oublié comment est-ce qu'on faisait. Comme ça direct. Ouais, voilà. Et ben voilà. Donc, du coup, sur ce petit spot là, donc t'as... Ah, franchement, t'es bien. Voilà, tu peux faire genre. Ah, voilà. C'est tout. Donc, du coup, les gens. Ah, bah. Ça y est, je trouve un nouveau spot. Et ben, dis donc, c'était pas. Attends, du coup, je me demande, est-ce qu'on pourrait pas monter directement sur le toit ici aussi? Ah, je vais tester. Ouais, comme quoi, les spots, c'est pas non plus sorcier à trouver, hein. Voilà, un petit spot en plus. Alors, attendez, je me demande s'il y aurait pas moyen de... Ah, mais tombe pas! Alors, attendez. Je suis... Bah, non, je suis pas sûr et certain, mais... Je me demande s'il y aurait pas moyen, par hasard, de... Bah, hé, hein, tu sais quoi, fuck, hein. Je me demande s'il y aurait pas moyen de monter directement sur le petit toit vert, là-haut. Bon, certes, ça ferait pas beaucoup de hauteur et ça serait pas utile, mais... c'est juste... Non mais sérieux. C'est juste par question intellectuelle en fait. Je me demande juste est-ce que c'est possible oui ou non. Alors attendez, faut que je vérifie. Putain. Reste calme. Putain, j'ai jamais aimé cette map, hein. Tu comprends pourquoi. Voilà. Non. Reste calme. Oh bah... Ah, dis donc, c'est la galère. Mais s'il te plaît, mais là, voilà. Bon, ok, le toit bloque. Ok, c'est bon. Au moins, on a la réponse à une question. Donc, le toit bloque. Alors, les gens, je me souviens qu'il y a un dernier spot sur cette map, un spot vraiment pour aller haut. Mais je me souviens un peu exactement c'est où. Donc, du coup, soit on se retrouve tout de suite sur ce spot, soit soit on se retrouve. En fait, j'ai juste remarqué que tu peux monter aussi sur le bus là. En fait, cette map est vraiment remplie de spots trickshot, ou plutôt des petits glitches de hauteur. Cette map en est vraiment remplie, donc c'est juste énorme. Alors, de mémoire, après, je ne sais pas s'il y en a d'après vous qui connaissent peut-être ce spot, je pense que c'est possible qu'il y en a qui connaissent. Alors, le spot c'était pour monter là-haut, il me semble, si je dis pas trop de conneries. Je sais plus exactement les plans, mais. C'était quelque part par ici, mais ah, niveau souvenir, là je suis un petit peu. Ah, ça date en même temps, Modern 3. On peut se dire que ça date. Alors attends, est-ce qu'il y a moyen de monter genre là-haut? Non, il n'y a plus moyen. Alors je sais pas exactement, mais il y a un spot dans cette zone-ci. Donc s'il y en a qui connaît, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Parce que moi, honnêtement, je suis totalement largué. Là, je ne me souviens plus exactement où est-ce que c'était. Non, je m'en souviens plus. Donc, du coup, les gens, on se retrouve tout de suite pour la dernière map. Ok, les gens, donc on se retrouve dans Paris, dans Résistance, la ville de l'amour, la ville de du PL. Voilà, bref. Donc le spot, simplement, on va se retrouver donc directement là, donc pour ceux qui ne voyaient pas sur la map, voilà la petite flèche. Donc on se retrouve directement ici. Alors tout ce qu'il faut faire pour ce spot là, donc il faut grimper là, sauter sur le panneau. Alors sur le panneau, il faut vous placer dans le coin à droite pour grimper ensuite sur la porte là. Alors de toute façon, sur Résistance, tu peux monter sur pas mal de panneaux. Genre il y en a un là, voilà, tu peux monter sur le panneau là. Tu peux monter sur pas mal d'endroits. Résistance, c'est vraiment la map. Si tu veux faire le petit singe, t'es servi honnêtement. Entre nous, oui, tu peux faire ce que tu veux ici. Par contre, je me demande juste, est-ce que tu peux aller sur la grille? Alors bref, on s'en fout, c'est une question existentielle qui ne servira à rien. Alors hop, on grimpe sur le panneau. On va vers le coin à droite et là j'ai trop été.
Allez, on va y arriver. Courage, courage, courage. Hop. Ah non, j'ai pas été précis. Alors ça, c'est un spot, comment dire, vraiment compliqué au début. Mais dès que tu comprends vraiment l'astuce où sauter, c'est super simple. Mais même moi, après 4 ans de Modern 3, je n'ai toujours pas compris. Non, toujours pas. Ce coup-ci, j'ai sauté trop tôt. En fait, le problème, c'est soit tu sautes pas à l'endroit précis, soit tu sautes trop tôt, soit tu sautes trop tard. Ça va être ça vraiment les soucis que vous allez rencontrer au début. Alors, voilà. Donc maintenant qu'on est grimpé dessus, on monte là. Et du coup, tu peux te mettre couché. Et genre, personne ne te voit. Genre, quelqu'un est là-bas, il te voit pas. Il y a que si le mec est au top qui va te voir. Donc voilà, c'est un spot vraiment sympa. Après, faut pas rêver, tu peux pas monter sur les toits rouges, etc., etc. Tout ça, tu ne peux pas faire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir, les gens. Donc c'est à peu près tout. Ouais, il me semble que ouais, c'est vraiment tout pour le comment trickshot numéro 4. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc comme d'hab, hein, s'il vous a plu, tout simplement, vous laissez un petit like, un petit commentaire, on partage la vidéo, comme ça notre petite famille s'agrandit. Donc voilà les gens, donc c'était Elif, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao ciao.